le accélérateur à main. Ce serait bien quand même qu'on essaye de finir les semis parce qu'il va pleuvoir pendant 2 semaines. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. Le rouleau est pour la première fois dans l'histoire des vlogs que j'ai fait. On est avec le petit Massé, le 45. Alors là, on est à côté. Je vais vous mettre le truc pour ma tête après. Ouais. En fait, on était dans un champ. J'ai eu l'idée de. En fait, au milieu du champ, j'ai eu l'idée. Après-midi de faire un vlog, du coup ça fait quand même un petit moment que je vous en ai pas fait et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais parce que j'ai pas trop le temps. Bah oui, je suis bien en 4. Là on est toujours pas dans le champ, on est sur le chemin. Je pense que je vous retrouve après. Je vais probablement dans le champ. Du coup on se retrouve juste après. Alors tout le monde, on se retrouve au volant du petit Massé. Quoi? Les gueules. Qui est quand 2D. On va reprendre l'arrêt juste là. Accélérateur à main. On se met à 1600 tours et on est lancé. Bon, voilà. Alors à un moment, je vous rassure, je vais pas faire tout le choix avec vous parce que là, dites-vous que cette partie, on a passé 2 heures. Je vais pas faire tout le choix avec vous, mais on va quand même faire une belle partie ensemble. Et bon, il y a un moment, on a un deuxième choix à faire où justement il y a le 5460 à l'heure actuelle qui est en train de semer. Donc je vais voir du coup pour vous le montrer. Ouais, on a une bonne vitesse. On va quand même s'activer parce que là dans 2 jours il pleut. Ça serait bien quand même qu'on essaye de finir les semis parce qu'il va pleuvoir pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines ça voudrait dire qu'on pourrait pas. Mais oui, j'ai bien mis les 4 motrices. Là ça rend bien. Vous voyez les lignes, ça se fait plutôt bien. J'espère quand même par contre mon truc est bien réglé, sinon je vais câbler. Selon moi est bien réglé, je vous ai mis le grand angle pour mieux que vous voyez. Là on tombe, arrivé en haut, on tombe une vitesse. On lève. Alors ce bruit, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Et on rebaisse. On est reparti. Et voilà. On est reparti. Derrière, ça fait bien le travail. Voilà, on fait pas d'oubli. C'est nickel. Le niveau du rouleau, on est sur 2 mètres secs de large. Alors le semoir, il fait 3 mètres, mais il faut se dire que je vais presque 2 fois plus vite que le semoir. Donc je devrais quand même le rattraper. Il faut que je fasse gaffe aussi à des pierres. Et par exemple le mouleau, au mouloir. Parce que vous voyez là-bas, eh ben, c'est mouillé. Ben, tout à l'heure on est passé et on a failli se planter. Alors mon cousin il est passé avec le Massé. Avec le Massé et le semoir, mais lui il a des pneus neufs. Alors que moi les pneus. Après ils sont encore bons quoi. Je veux dire pour faire ce genre d'activité. Il fait pas des activités non plus très très tirantes celui-là.
Parce que vous voyez quand même que je suis en train de rouler quoi. On va rentrer en B2 cette fois je pense. On va se mettre en B pour tourner, je pense que ça sera mieux. On lève. On tourne derrière. Ça c'est le B. Là on est pas trop mal. Alors oui, c'est pas très droit, mais on suit le champ. On suit le champ, ça le fait bien. Attendez, parce que là, on va se mettre à 1600, ça sera mieux. Voilà. Oh, je crois qu'il peine là. Là, on va peut-être accélérer un peu. Oh, bah, comment ça se fait qu'il peine? Ah oui, mais il est pas bien chaud pour l'instant. Oui, parce que le tracteur, je viens de le reprendre. C'est bon ou ça patine? Non, c'est bon, ça patine. Bon. Je vous reprends pour la descente, après je vais vous caser un endroit, on va faire un petit accéléré. Je pense que je vais vous caser là. On va éviter de tout. Putain, c'est mon bracelet, il a accroché. Petit fail. Petit fail, rien de bien méchant. Il y a une pierre là, va falloir que je la ramasse. On va reculer comme ça. Et on est reparti pour une descente. Attention, elle est mal. Oui, d'ailleurs, le champ, je vous ai pas dit, on est à Marchers. Là, des champs les plus raides. C'est pas le plus raide, mais vous voyez quand même que chez nous, dans les Hautes-Alpes, on va un peu lever si on va embarquer du grain. Dans les Hautes-Alpes, quand même, vous voyez qu'on a des parcelles quand même bien raides. Encore celle-là, non, quoi que c'est. Elle me semblait plus raide au fond en été. Mais non. Et bon, je vous casais ici, du coup, on va éviter de le faire avec cette mer parce que bon. Je vais passer la marche arrière quand même, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que ce style de vidéo vous plaît, comme ça, en étant sur ma tête. Alors je vais pas vous le cacher, vous êtes plus haut que moi parce que moi vraiment je suis assis par terre dans celui-là. Je n'ai absolument pas l'habitude du 54-60. Bon, je vais vous reprendre plus tard je pense. Ouais, je vais vous reprendre plus tard. On va s'arrêter là. Et je vais vous reprendre plus tard. We'll be right back.
prochain est bientôt fini, comme vous l'avez vu dans l'accéléré. J'ai dû prendre 3 fois dans ma vie celui-là. Donc c'est pour vous dire quand même. C'est pour ça en fait que vous voyez tout le temps des vlogs avec le 5460. Mais bon, de toute façon, je pense pouvoir vous l'annoncer, le 5460, d'ici peut-être octobre, ne sera plus parmi nous. Car il a été vendu. Alors il est toujours à nous pour l'instant. Mais il a été vendu pour un tracteur neuf. Je vous dis pas la marque. Je vais vous dire. Alors je vais vous dire les différentes marques où c'est possible. Alors en concessionnaire, parce que nous on prend par rapport à la proximité, on a Newland, John Deere et Akko. Akko, Massé, Fendt et Valtra. Je vous dis pas lequel c'est, en tout cas ça sera un tracteur qui sera bien plus confortable. On va pas enlever la fourche. Un tracteur qui sera quand même bien plus confortable. Derrière, ça fait pas de. Regardez là, la partie là. La partie juste là. Ah merde, ça se voit pas. Ah merde. On va mettre un peu des watts parce qu'il n'arrive pas à tirer. Aussi, faut peut-être que ça avance quand même. Derrière, ouais, ça fait bien. Là, je vous ai mis avec le grand angle. C'est pour ça qu'en fait, vous avez une vue aussi dégagée. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça quand même mieux. Mais là, le truc qu'on met sur la tête, il est là. Avec le téléphone de mon frère. Voilà, on est à 8 km/h. C'est une bonne vitesse. 8 km/h. Voilà, 2000 tours minute. Alors nous notre tracteur, on est niveau du couple max, on est plus à 1000, aux alentours de 1600-1700. Donc à 2000 tours il tire moins quand même, parce qu'il a moins de le couple. C'est ça, la puissance max c'est à partir de 1500. Quelle est la puissance max, c'est le couple à peu près par le couple, on est à 1600-1700 pour avoir le couple optimal. Donc voilà, par contre, attendez, je suis en train de faire un peu de la merde là. Descente, attention, la même arrière. Descente, mais en tout cas, c'est vrai que je le prends pas souvent ce tracteur. Bah, comme j'ai dit, c'est pour ça que vous voyez beaucoup le 5460 avec. C'est, je le prends, mais vraiment rarement. C'est en général, c'est mon frère qui y est dans celui-là. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est rare, quoi. Bon. Bon, attendez, est-ce que là la côte elle se voit? Mais putain, mais elle veut pas se voir la côte. Bah moi dans mon téléphone j'ai l'impression que c'est plat, quoi, par rapport à la taille de la côte. Je sais pas si c'est le grand angle qui fait ça ou quoi, mais bon. Je sais vraiment pas. Mais bon. On arrive en bas. Lève-moi ça. Lève. Voilà, il a levé. Oui, d'ailleurs, je fais cette technique parce que bon, c'est quand même beaucoup plus rapide. C'est quand même beaucoup plus rapide de faire comme ça. Bon. On fait pas ça. Et aussi, on a des pierres dans le godet. On va peut-être falloir que j'aille vider. Bon, ben on verra après. Oui, alors désolé, bah, elle est partie. Après, ça fait zigzag du coup. Mais bon, et oui, d'ailleurs aussi, j'ai oublié de vous dire. En fait, je sais plus si j'ai oublié de vous dire. Mais la raison pour laquelle, en fait, parce que là, vous devez vous douter quand même que c'est parce qu'on est en vacances d'avril. Si vous vous doutez pourquoi on s'est mon sitar, c'est parce qu'il a fait un temps de merde. Parce qu'en fait, il pleuvait, nous, vu que c'est les champs côtes, il faut bien que ça soit sec. Bon, d'ailleurs, théoriquement, en fait, au final, mon cousin, il allait beaucoup plus vite que prévu. Il allait beaucoup plus vite que prévu, du coup, bah, on verra pas le 5460 faire des semis. En tout cas, pas dans ce vlog, je pense. Bon, pas aujourd'hui.
là. On est à 5 minutes, ça nous fait déjà, je pense, on doit être vers les 15 minutes. On va essayer de faire 30 minutes de vlog, il reste encore des choses à faire. Ouais. On descend et on se met à 8. Parce que là vous voyez d'un coup le tracteur il gueule moins. Mais en tout cas il fait un bruit, il fait à mes yeux un moins beau bruit quand même que le sapin de 460. Mais bon. Parce que là encore il n'est pas en train de tirer, là on est en descente. Parce que voilà, on est à 8 km/h en descente. Voilà quoi. Et par exemple, le 5460 était dans l'un des champs là-bas. Oui, ça c'est quand même assez loin. Et je l'entendais d'ici. Mais après, le SMOAR, comme j'ai déjà dit, il n'a pas la puissance pour le SMOAR. Il arrive, voilà, dans un champ comme ça, il est arrivé à faire monter-descente. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il galère un peu. Et du coup, ben, en général, on est aux alentours des 4-5 km/h des fois. Et voilà quoi. Et aussi, ça je l'ai peut-être pas dit, mais c'est une ramasseuse à pierre cette année qui nous a ramassé les pierres. C'est une ramasseuse à pierre, ce qui fait vraiment. Et si vraiment vous avez des pierres à ramasser, moi je vous la conseille, la ramasseuse à pierre. Il n'y a pas trop de pierres par rapport à quand on ramasse à la main. Ça en laisse vraiment rien quoi. Les seules pierres qu'il y a, c'est l'air sautatif qui les a ressorties. L'air sautatif est plus profonde. Là, c'est plus profond que bon je pense je vais arrêter peut-être cette séquence ici et on va faire on va se retrouver peut-être au prochain champ ou alors le prochain jour, bah, je sais pas quand. En tout cas moi des champs il est 15 h, vous vous rendez compte, ça fait depuis 10 heures qu'on est dans le champ là. Oui, alors 10 heures le vlog je vais pas commencer à 10 heures, je vais commencer à 1 h. Mais ça fait 4 heures qu'on y est. Mais par contre, celui-là, c'est le plus grand champ qu'on ait dans la ferme. Vraiment, en champ, on n'a pas plus gros. Là, on est vraiment sur un champ. Là, celui-là, 5 hectares et on en a un au-dessus en plus. C'est un îlot. On doit être à 7-8 hectares. L'îlot il fait aux alentours de 7-8 hectares. Ben, je peux vous garantir 7-8 hectares quand même, pour nous c'est déjà bien. Sauf qu'on a on sème environ une trentaine d'hectares, je dirais, par an. Parce que oui, on a l'orge, l'avoine, ça représente 15 hectares, mais on a aussi la luzerne. On a aussi la luzerne qu'on sème. Du coup, ça en fait quand même. Ouais, bah dans le champ il doit me rester un aller-retour à peu près. Bah du coup je vous dis à tout à l'heure. Allez. Petite voix off pour vous expliquer ce qu'il est en train de passer. Il me semble avoir dit que nous ne verrons pas le petit massé et le gros massé dans le même champ en train de semer. C'est le cas là. Là vous ne voyez toujours pas, mais les deux sont bien dans le même champ. Du coup. Là, on est dans le tout dernier champ semé en luzerne, à 45 kg par hectare. Pour de la luzerne, c'est quand même énorme. Mais la luzerne, il faut la semer épais. Il faut toujours la semer épais, la luzerne. Du coup, là, on est dans le dernier champ. Je vous laisse avec les quelques plans de vue et on se voit juste après pour la dernière voie. Allez, oui. Ouais,
bleu là. D'accord. Oh, un petit peu de montage. Tu places après. Ah ben maintenant c'est le rouleau. Bon alors j'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé le faire. Et bah, j'espère que vous avez bien aimé à le regarder. Et j'espère que ce nouveau style de montage vous plaît. Bah, après, il n'y a pas une grande différence, mais bon. Sur ce, bah, à plus pour une prochaine vidéo.